Là, on a 16 mètres cubes d'eau derrière pour aller livrer là-haut. Je ne sais pas jusqu'à quand on va aller, mais là, ça va faire 2 mois que ça dure. Et on en est à 67, 68 camions d'eau comme ça qu'on emmène. Là. C'est cool la caler. Alors on peut la caler, mais pas grand chose. Hein, pas grand chose. Ça me donne une. Pour cet été, ça va être encore des livraisons et on va certainement. Livrer de l'eau en bouteille même chez les gens parce que je pense qu'au robinet ça risque d'être compliqué. 13 000 mètres, j'étais voir ce matin dans mon jardin, 13 000 mètres. Oui, quelque chose d'un. Mais aujourd'hui, c'est l'urgence, c'était pour répondre à l'urgence. Si on avait pas ce camion citerne, le réseau, on n'aurait pas réussi à le remettre en route. Il y aura des augmentations de factures d'eau, mais ce coût-là, on ne pourra pas le répertorier auprès du consommateur, parce que ça va être quand même assez important, donc on ne peut pas faire une telle hausse. Pour faire les 20 kg par jour, on consomme 100 litres d'eau par vachetière. Tout eau comprise, hein, l'eau de lavage, l'eau de boisson, plus l'eau que me boivent les génisses, ça fait à peu près ça. Parce que j'ai 40 vaches laitières et je passe 4 mètres cubes d'eau par jour. Donnez. Alors, j'ai acheté ce matin là, à Craponne. On stocke, hein. Avant, j'achetais pas de bouteille d'eau, hein. Je trouvais ça idiot.